Eh bien, bonjour, je suis Nicolas Huriel, donc je suis en charge de l'approvisionnement à la maison Sieno, donc notamment le vignoble maison. Là, actuellement, on se situe donc au cœur du vignoble d'Ailly, où se trouve une bonne partie de nos vignes. Actuellement, on est fin juillet, la vigne se situe au stade fermeture de la grappe. Donc ça fait à peu près un mois que la fleur est passée. Elle s'est plutôt bien passée, les grappes sont belles. Donc fermeture de la grappe. À partir de là, la phase de maturation va commencer. Hein. Les grains vont commencer à vraiment bien grossir et bien se transformer pour arriver jusqu'à vendange à maturité. Cette année, la floraison a été plutôt tardive. Pleine floraison là dans ce secteur, on est à peu près tout début juillet. Comparé à la moyenne des 10 dernières années, c'est environ 3 petites semaines de retard qu'on risque de retrouver en bout de cycle, c'est-à-dire qu'on devrait vendanger. Bon, après, c'est toujours un peu délicat de faire des pronostics sur la date des vendanges, hein. On ne sait pas comment sera l'été, comment la physiologie va évoluer, etc. Mais on peut dire que les vendanges ne commenceront pas avant fin septembre, très probablement. Voire début octobre si l'été est normal.